Bonsoir, bonsoir à tous. Se donner aux autres à la manière du Christ, répondre aux sollicitations, servir la communauté, aller aux périphéries, prendre soin des plus vulnérables, célébrer les sacrements. Au milieu de cette vie qui déborde, les prêtres prennent-ils suffisamment soin d'eux et de leur santé? C'est l'un des axes de sensibilisation portés par la Fondation nationale pour le clergé. Et pour en parler ce soir, je suis ravie d'accueillir Monseigneur Lalanne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes évêque de Pontoise et président de la Fondation. Pourquoi la Fondation se mobilise pour ce sujet? La Fondation pour le clergé, son objet, c'est tout ce qui est social et sanitaire pour les prêtres, les religieux, les religieuses, de tous âges. Et donc, nous collectons les fonds grâce à la générosité des fidèles de toute la France pour les cotisations sociales, mais aussi pour toutes les actions qui permettent d'améliorer la santé physique et psychique des prêtres et des évêques. Et des évêques. Bonsoir Caroline Auriac. Bonsoir. Vous êtes déléguée générale de Chemin d'Humanité et c'est une association qui est mobilisée sur ce sujet de la santé des prêtres. Oui, nous sommes mobilisés pour accompagner les prêtres et donc depuis 3 ans, nous les accompagnons dans ce domaine-là. Nous le verrons un peu plus profondément tout à l'heure. Père Pierre Morin, bonsoir. Vous êtes vicaire général du diocèse de Limoges et prêtre du Prado. Bonsoir. Et vous participez à ce chemin, nous verrons tout à l'heure. Comment vous avez pris conscience? Alors, la prise de conscience, c'est sûrement avec l'enquête de santé qui a été réalisée par Mgr Benoît Bertrand, qui a révélé quand même que dans le clergé, il fallait prendre soin de nous. Et déjà, il y a 2 ans, on avait envoyé 2 candidats à cette formation Vitalité, qui sont revenus ravis. Et donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc cette année, je rejoins aussi cette équipe. Ah, super. Et puis enfin, docteur Bertrand Galichon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin au SAMU Social de Paris, ancien président du Centre catholique des médecins français. La santé des prêtres, ça doit être un tabou? Ah non, absolument pas. La santé des prêtres, c'est une nécessité et je considère qu'ils ont une certaine tendance à la négliger. On verra. On en reparlera plus tard. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à réagir durant cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont fait part de leurs questions en amont. Mais vous aussi, ce soir, vous pouvez nous envoyer vos questions en direct à association-nous@ktotv.com et bien sûr réagir sur Facebook, YouTube et Twitter avec le hashtag Associons-nous. Et je vous propose de regarder ensemble un premier reportage. Notre journaliste Juan Diego Ortubé est allé à la rencontre de 2 prêtres à Dijon et à Boulogne-sur-Mer pour prendre la mesure de leur mission et découvrir s'ils sont attentifs à leur santé. Le père Didier et le père Éloi. Le premier est curé de la cathédrale de Dijon, le second vicaire à Boulogne-sur-Mer. 2 prêtres, 2 réalités pastorales, mais une même mission. Annoncer l'évangile au plus grand nombre. Comme souvent, journée chargée pour le père Didier. Âgé de 66 ans, seul prêtre de sa paroisse qui compte près de 300 fidèles et 2 lieux de culte, ses rendez-vous s'enchaînent les uns après les autres. Cet après-midi, il a rendez-vous avec un couple de fiancés. Alors aujourd'hui, on va parler d'un point un peu important qu'on appelle la déclaration d'intention. Le père Didier poursuit ensuite avec un autre rendez-vous. Cette fois-ci, c'est Johan, un jeune père de famille qu'il prépare au baptême. Une joie pour lui de l'accompagner sur son chemin à la suite du Christ. Alors, il y en a plusieurs catéchumènes dans la paroisse. Donc avec Johan, c'est un peu un lien particulier parce que là, avec Johan, c'est la période, j'allais dire, de démarrage, à la fraîcheur des commencements. Enfin, une fois encore, la journée du père Didier se termine à 21h passées. Parfois, ces journées peuvent commencer aussi très tôt. Très sollicité, il adapte son emploi du temps pour pouvoir accueillir tous ceux qui le souhaitent. Ici, c'est un ministère compliqué à la cathédrale. Je suis obligé de me caler sur ce que les gens me demandent. Il y a des fiancés qui peuvent venir me voir qu'à 1h30, ou très tôt, ou très tard. Il faut caler le rythme sur cela. À Boulogne-sur-Mer, le père Éloi, 31 ans, gère la paroisse Sainte-Marie Étoile de la Mer avec 4 autres prêtres. Membre de la société Jean-Marie Vianney, comme chaque mercredi, il se retrouve pour un temps de fraternité, de vie de prière et de formation, afin de faire le point sur la vie de la paroisse. Vivre en fraternité, c'est une exigence
C'est aussi un choix, et moi j'ai fait ce choix-là. Le matin, on sait que quand on se lève, on va prier avec d'autres confrères. Et parfois, bah, c'est difficile pour nous, et on y va parce qu'on sait qu'on est attendu. Parfois, c'est un vrai soutien. Et après, la vie fraternelle aussi, bah, ça, c'est une aide voilà, au quotidien dans la pastorale, parce que bah, voilà, moi, surtout, je suis jeune prêtre, je ne sais pas tout faire, bah, je demande conseil aux autres. Des conseils, il en a parfois besoin, car il a de nombreuses casquettes. Aumônier d'étudiants, coordinateur de la pastorale des funérailles, organisateur de pèlerinages. Il revient d'ailleurs de 15 jours d'excursion à la montagne avec des collégiens. Du coup, à la fin de la messe, les paroissiens se pressent pour échanger avec lui. On s'occupe du bureau, voilà, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu. Parce que je suis parti 15 jours. Oui. Le fait d'être sollicité souvent, ça peut être parfois lourd, parce que bah, on se sent un peu tiraillé. Les gens demandent, il y a des choses qu'il ne faut pas faire parce que voilà, on ne peut pas tout faire, il faut l'accepter. Et puis après, il faut savoir aussi prioriser, voilà, en se disant ben, voilà, quelles sont les priorités pour la paroisse. Pour faire face à toutes leurs obligations, il est parfois difficile pour les prêtres de ne pas se sentir surchargés. Pour tenir le coup, le père Didier a un remède, la prière quotidienne. C'est aussi lors de l'Eucharistie qu'il vit la communion avec les fidèles. Je suis dans une église où il y a vraiment un soutien spirituel, parce que quand j'étais à la campagne, il m'arrivait de me retrouver souvent tout seul dans l'église. Et ici, il y a vraiment le support d'une vraie vie communauté. Aller voir courir un peu dans tous les sens, oui, on pense qu'ils sont débordés. Après, on ne connaît pas tout leur travail effectif. Bah déjà qu'ils se sentent soutenus, ce qui est le cas, et puis bah, avec nos moyens bah, de trouver des solutions pour l'aider. Une fois par semaine, le père Didier se rend à l'EHPAD Notre-Dame de la Visitation pour célébrer la messe et prendre du temps avec son ami Yves. Ces moments de détente lui permettent d'échanger librement en toute simplicité. Ça me rapproche des personnes. Et puis c'est très porteur parce que il y a vraiment une vie de prière et une vie de chaleureuse ici. Le père Éloi, lui, c'est avec la course à pied qu'il trouve un équilibre. Alors au moins une fois par semaine, il chausse ses baskets et fait le tour des remparts de la ville fortifiée de Boulogne-sur-Mer. Il y a toujours un risque d'épuisement dans le ministère si on ne fait pas attention. Après, chacun a des besoins différents aussi. Moi, je sais que si je fais du sport et que j'ai une bonne nuit, tout va bien. Je ne peux pas me permettre d'avoir des nuits trop courtes régulièrement. Voilà, j'ai besoin souvent de mes 8 heures de sommeil, et c'est comme ça que j'arrive à tenir. Le père Didier et le père Éloi, comme beaucoup de prêtres, ont des emplois du temps très chargés, des responsabilités et des territoires grandissants. C'est pourtant en prenant soin de leur santé que les prêtres pourront être au service des communautés chrétiennes tout au long de leur sacerdoce. Père, ça vous parle ? Oui, c'est vraiment le quotidien d'un clergé. Dans mon diocèse, c'est un diocèse plutôt rural. Et en effet, il y a soit des prêtres qui sont en équipe et qui ont déjà un rythme beaucoup plus favorable, et puis beaucoup qui sont dans la solitude, en tout cas seuls dans leur ministère, dans leur habitat, Et donc, en effet, il y a un autre type de vie suivant qu'on soit en équipe, en fraternité, ou bien isolé. Et docteur, bien manger, bien dormir, ça semble évident, mais pas tant que ça ? Non, pas tant que ça, parce qu'en fait, je vais être assez cru, les prêtres sont atteints du syndrome du petit soldat. Et donc, c'est un peu, pour faire extrêmement simple, encore plus simple, c'est marche ou crève. Et donc, finalement, l'engagement, la personne passe après son engagement. Et là, c'est là où on risque de tomber. On risque d'avoir des problèmes médicaux, des problèmes de santé. Le surpoids, premier indicateur. Voilà. Après ça, le manque de sommeil, deuxième grand indicateur. Et puis d'autres indicateurs suivent et qui tiennent plus à la solitude, et en particulier l'alcool. Et Monseigneur, on parlait du bon petit soldat. Dans votre sacerdoce, il y a le don de soi. C'est ça, on est à la croisée du don de soi.
j'allais dire, un engagement radical à la suite du Christ et au service de ceux qui nous sont confiés. Puis en même temps, on a besoin de faire attention à soi. Et au début de l'émission, vous évoquiez, docteur, le fait que les prêtres, peut-être, n'ont pas tellement le souci de leur santé, peut-être moins que d'autres. Alors, j'ai été étonné par le résultat de l'enquête qui a d'ailleurs été financé pour une part par la Mutuelle Saint-Martin, pour une part par la Fondation pour le Clergé. Il y a eu, je crois, des prêtres en activité, presque 7000 qui ont été interrogés. Et les enquêtes qui ont pu être utilisées, près de 3000. C'est-à-dire, il y a eu 42% de résultats. Alors, c'est vrai qu'entre prêtres, on ne parle pas trop de nos santé. Il y a sûrement un tabou, enfin, il y a sans doute plusieurs raisons. Hein. Et en même temps, 42%, c'est extraordinaire. Ce qui veut dire que, bon, c'est vrai qu'il était anonyme, cette enquête était anonyme, mais n'empêche que 42%, c'est pas rien. En tout cas, dans mon diocèse, ça a permis de, plus facilement, ça a servi de déclencheur, de déclic pour que nous parlions entre nous. Par exemple, dans mon conseil presbytéral, c'est le conseil presbytéral, c'est le conseil des prêtres qui sont pour la plupart élus par leurs frères prêtres, par leurs confrères, eh bien, ça a permis que nous en parlions beaucoup plus librement sur des questions que, d'habitude, on n'évoque pas trop. Alors, comme évêque, comme vicaire général, bien sûr, on a ce souci-là en permanence, hein, mais que des prêtres en parlent entre eux, il faudrait peut-être aussi que les fidèles en parlent avec les prêtres. Ça, c'est peut-être aussi une bonne question à se poser. Alors, Caroline, vous le voyez, on reviendra sur chemin sur chemin d'humanité, le parcours vitalité tout à l'heure, mais vous le voyez, ça, ils en parlent un petit peu quand ils sont entre eux sur ce sujet ? Alors moi, j'ai la chance, avec Chemin d'Humanité, de les voir sur 6 semaines. Notre parcours classique reconnaissance dure 6 semaines. Le parcours vitalité, 3 semaines. Mais sur 6 semaines, je les vois. Ces 6 semaines étalées sur 18 mois. Donc, on a le temps de parler de beaucoup de choses ensemble. Et notamment sur leur façon de vivre, leurs habitudes de vivre. Donc votre reportage montre bien la diversité de nos hommes d'église et probablement la diversité de leur mode de vie. Mais oui, ils parlent de fatigue, de difficultés à s'endormir ou de difficultés à dormir tout court, de difficultés de se nourrir correctement à des heures raisonnables, de manger équilibré. Oui, ils parlent de ces difficultés entre eux et avec nous aussi les laïcs, puisque nous, Chemin d'Humanité, nous sommes une association de laïcs, donc qui nous mettons à leur service. Donc oui, on arrive à parler parce que la confiance est là pendant 6 semaines. Et alors, allez-y, Monseigneur. On va dire que dans le reportage que nous avons entendu tout à l'heure, là, donc ce prêtre, ce jeune prêtre de Boulogne, là, et puis ce curé de la paroisse de Dijon, alors chacun a sa manière de vivre, son style de vie, on voit bien. Hein. En même temps, pour des prêtres qui vivent en communauté, en fraternité, c'est une chance aussi, parce qu'il y a aussi, j'allais dire, cette vie ensemble, cette régulation de la prière, aussi des repas, il y en a qui savent bien faire la cuisine, d'autres pas, non mais il y a tout ça qui joue, et puis il y a aussi, je pense, ce qu'on appelle dans notre langage ecclésiastique, la correction fraternelle aussi, donc, et ça je crois que c'est important. C'est plus facile dans une vie en commun que quand on est tout seul. Ouais, alors, pour parler de solitude et de laïque, il y a Sophie qui nous pose une question. Je vois que le curé de ma paroisse ne prend pas soin de lui. À l'écouter, il mange très mal et on voit bien qu'il a pris du poids ces dernières années. Comment aborder le sujet avec lui ? Moi, je dirais, c'est un peu comme j'avais suivi un petit coaching sur la question de la dépendance à l'alcool. Et par rapport à la dépendance à l'alcool, on m'a toujours dit, et on ne parle pas d'eux, on va parler à. Et ben, c'est pareil pour une paroissienne et pour son curé, je dirais. C'est bien beau de le constater. Il faut le lui dire. Il faut le lui dire. Il faut trouver les mots. Il faut trouver la façon de le faire. Mais en tout cas, je pense que oui, prendre soin du prêtre qui prend soin de nous. Il y a une réciprocité qui est belle. Oui. Je pense que c'est difficile pour les communautés catholiques. C'est déjà difficile d'aller voir un ami, un frère, en lui disant tu as pris du poids. Je pense qu'aujourd'hui, nos communautés, c'est encore plus difficile, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'elles le fassent. Je pense que vous avez tout à fait raison. Il faut le faire, il faut trouver des mots doux,
il faut aussi savoir proposer des repas simples ou peut-être trouver des paroissiens pour aller faire un peu d'activité physique ou pour faire des pauses. Mais oui, il faut oser aborder le sujet. Il y a quand même un changement de culture, hein, là, un changement de culture, parce que de fait, les prêtres sont appelés à prendre soin des fidèles. C'est peut-être ça qui fait qu'ils ne ménagent pas leur peine, que les horaires sont... Je connais personnellement. Fait. Et en même temps, je pense qu'il faut aussi apprendre dans une communauté cette réciprocité de pouvoir se dire des choses entre laïcs, entre prêtres, aussi entre prêtres. Quelquefois, il y a des signaux faibles. On l'a évoqué beaucoup depuis quelques années, des signaux faibles, peut-être pour s'aider les uns les autres. Mais je pense que dans les communautés chrétiennes, je pense que les laïcs aussi à apprendre avec bienveillance. Il y a un ton à trouver, bien sûr. Hein, on n'est pas dans le jugement ou dans l'attaque, mais pour aller mieux, quoi, pour grandir. Et vous, en tant qu'évêque, c'est des sujets que vous pouvez aborder avec les prêtres ? Moi, je trouve que assez facilement. Ce n'est pas toujours facile d'évoquer avec un prêtre qu'il y a un problème d'alcool, etc. Mais je crois que tout ça dépend du type de relation qu'on entretient avec les prêtres. Parce que ce qui est important aussi, c'est les encourager. Quand même, la mission n'est pas facile, spécialement, je crois, aujourd'hui. La mission est difficile. Et donc, d'abord, d'encourager, ça se passe par des toutes petites choses. Mais de temps en temps, oui, je crois qu'il faut oser dire les choses. Oui. Docteur ? Moi, je pense que l'attention portée à l'autre, il faut avoir une relation simple, une altérité tout à fait simple, de considérer que le prêtre, qui est le prêtre de votre paroisse, c'est d'abord un homme, voilà, tout simplement. Et donc, c'est sa dimension incarnée. Et donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Si on veut lui parler de son surpoids, du fait qu'il mange mal ou tout ça, ben, le meilleur moyen d'en parler, c'est de l'inviter à table. Et sans faire d'excès. Sans faire d'excès. mais voilà, c'est de soigner cette altérité qui permet de... Voilà. Alors, il y a Paul qui nous dit, qui est médecin, et qui nous dit « Chaque prêtre devrait consulter un médecin une fois tous les ans à partir de 50 ou 55 ans. Une spiritualité saine suppose un corps sain. » Oui. Mince, ça n'a incorporé ça. C'est vrai. Moi, je crois que oui, c'est tout à fait exact. Alors, j'ai l'exemple aussi de copains du Prado avec qui je suis en équipe. Et un me disait, moi, j'ai une paroissienne qui vient m'apporter des repas parce que je suis diabétique insulino-dépendant et que je ne sais pas forcément me faire des choses équilibrées. Donc, il a pris les moyens avec les gens de sa paroisse pour avoir des repas sobres, équilibrés et qui correspondent à ses difficultés de santé, à sa glycémie. Mais au niveau médical, oui. Alors mais dans le clergé, c'est un peu comme partout. On a ceux qui sont un peu hypochondriaques. Moi, à une époque, et parfois ça m'arrive un peu. Et puis il y a ceux qui sont, au contraire, on n'en parle jamais et qui se négligent de ce côté-là. La Fondation œuvre pour que les prêtres puissent avoir justement accès à cette médecine. Absolument. C'est quand même j'allais dire un combat permanent. Je crois que grâce à la fidélité, à la générosité des fidèles, j'évoquais tout à l'heure les prestations sociales, enfin tout ce qui est assurance maladie, mais aussi de se préoccuper de la santé physique et psychique, et d'entendre aussi des initiatives et de pouvoir les soutenir. On va sans doute reparler du parcours vitalité. Moi, je suis très heureux que le conseil d'administration, vous en êtes, hein, docteur, nous ayons avec bonheur, c'est dit, c'est assez important et il faut absolument soutenir de telles actions. Est-ce que... Pardon, allez-y. Je pense qu'effectivement, il y a aussi beaucoup d'actions de prévention qui doivent avoir lieu. Ouais, et j'allais demander, est-ce qu'on vous apprend ça au séminaire ? Mon séminaire, c'est déjà loin. Et moi, encore plus loin. Alors, est-ce qu'on leur apprend ça maintenant ? Oui, je pense qu'il y a quand même... on fait des efforts de ce côté-là, mais j'ai toujours pensé que de toute façon, au niveau formation, on n'était pas au top par rapport à une formation en humanité, hein, au niveau, par exemple, de faire la cuisine, de faire du repassage, de faire du sport. Faire du sport, ça encore, on le faisait bien ensemble, mais voilà.
C'est, docteur, vous parliez tout à l'heure des principaux, vous avez cité trois, je crois, principales maladies, ou en tout cas principaux indicateurs voilà. Pour nos prêtres. Mmh. Effectivement, le sport et l'alimentation, ça joue beaucoup ? Ah oui, ça joue énormément. L'alimentation, bon, bah, c'est l'équilibre de votre corps, c'est votre relation à l'autre, d'accord ? Si je prends mes repas lentement en écoutant l'autre, eh ben tout se passe bien. Si je baffre, ça se passe moins bien. Et puis le deuxième point, c'était l'activité physique. Oui. C'est éminemment important. Parce que en fait, on a l'impression que le prêtre, surtout quand il est seul, il est dans une espèce d'entropie, de précipitation, et il a l'impression d'avoir une activité physique parce qu'il bouge beaucoup. Mais en fait, il piétine un peu sur place, quoi. Et donc, il n'a pas véritablement une activité physique sportive telle que l'entend. C'est un public très, très sédentaire. Oui. C'est oui. un public très sédentaire et qui donc a un comportement sédentaire avec tous les risques délétères liés à la sédentarité. Notre société a fait énormément de progrès aujourd'hui. Enfin, je parle sous le couvert de notre médecin ici, mais on sait que quand on est sédentaire, il y a des effets très négatifs sur notre santé. Or, eux, ils ont un job, si je peux me permettre cette expression-là, qui est un job de sédentaire. Ils conduisent beaucoup, la majorité d'entre eux sont assis dans la voiture, ils font beaucoup de kilomètres. Quand ils célèbrent une procession, c'est même s'ils sont dans des cathédrales, on parle de dizaines de mètres, on ne va pas plus loin. Et pourtant, voilà. Dans le reportage, on disait, enfin, il y avait une paroissienne qui disait ils courent partout, ils ont des emplois du temps. Oui, mais c'est une précipitation qui n'est pas forcément une activité physique, c'est une précipitation de sédentaire, c'est-à-dire vous vous levez pour répondre au coup de téléphone, ouvrir la porte, vous rasseoir, faire de l'ordinateur. Ça, c'est pas de l'activité physique. C'est pas se bouger qui... voilà. On les prend un peu pour des surhommes ? Des surhommes ? Capables de tout faire ? Des hommes à part, oui, sûrement. D'accord ? Le sacrement sacerdotal et les investis d'une mission, donc ils sont un peu mis à part, donc on les considère pas obligatoirement comme des hommes, comme vous et moi, et avec leurs besoins, leurs faiblesses. Je crois qu'il y a une perception qui fausse un peu la représentation. Monseigneur, vous ou vos prêtres avec lesquels vous travaillez, vous avez ce même sentiment? Moi, j'ai ce sentiment, et en même temps, il y a quand même la spécificité du prêtre. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêtre simplement de 8h du matin à 6h du soir. Enfin, ça prend toute la personne, ça prend les tripes. Donc, c'est peut-être d'autant plus difficile de trouver son... Je pense d'ailleurs que chaque prêtre a trouvé son propre rythme. On n'a pas les mêmes rythmes, on n'a pas les mêmes besoins de sommeil, on fait pas du sport de la même manière. Enfin, je vois bien, quand je prends ma propre expérience, on est très, très différents. On a aussi à s'écouter soi-même et à trouver son rythme. Mais... C'est vrai que je trouve que c'est pas simple. En même temps, c'est pas facile de dire non, par exemple, à les sollicitations. Moi, je trouve que j'ai du mal à dire non, parce qu'à un moment, il faut changer de rythme. Est-ce que ça fait partie de notre ADN comme prêtre, hein, comme évêque, pareil. L'importance aussi de faire des choses qui ne font pas partie de notre ministère, mais de notre vie d'homme. Du sport, on a vu ce jeune prêtre courir, le jogging, c'est quelque chose d'important. Pour d'autres, ça sera la passion du vélo, du tennis, d'autres sports. Pour d'autres, ça sera d'autres passions. Mais même si les passions ne sont pas des passions physiques, si c'est d'aller au cinéma, si c'est de lire, si c'est de rencontrer des amis, enfin. Ça, c'est très, très important, je pense, aussi pour un équilibre, l'importance d'avoir des amis. Vous évoquez, de fait, ce qui est changement de rythme. C'est important dans nos ministères d'avoir aussi des changements de rythme, des ruptures, des rencontres d'amis, comme vous l'avez dit, c'est extrêmement important. Il y a Marie-Jeanne, d'ailleurs, qui nous dit comment obliger le prêtre de notre paroisse à prendre quelques jours de repos régulièrement. Mais je pense qu'elle veut dire un vrai repos. C'est possible, ça, un vrai repos? Il faut,
je ne connais pas la personne, je ne connais pas le prêtre, mais peut-être que ça peut être une invitation à partir en vacances hein, aussi. Il y a souvent des rencontres, quand j'étais curé de paroisse, moi aussi, que souvent les paroissiens n'osent pas inviter. Ouais. Dire, oh, le prêtre est très très pris, ouais. Et tout ça, alors qu'on est très heureux d'avoir un temps où on n'est pas à parler de la mission, de la catéchèse, de ceci, de cela, voilà, de façon gratuite. Et ça aussi, c'est ce changement de rythme, il est important. J'ai une question très naïve. Vous avez un nombre de jours de vacances ? Oui, normalement, c'est prévu aussi posé. Un peu dans nos... Ben, normalement, c'est 4 semaines de vacances et 1 semaine de retraite. Voilà. D'accord. Voilà. Et alors, dans la réalité ? Oui. Ça dépend beaucoup des candidats. Il y en a qui, c'est un peu élastique, et puis il y en a d'autres, c'est un peu juste. Pour certains, dans mon diocèse, il y a beaucoup de retraites fidei donum, qui viennent donc d'autres diocèses, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'autres continents. Alors, le rythme aussi n'est pas le même. Souvent, quand ils partent, tous les 2 ans, ils vont partir plus longtemps. Voilà. Puis d'autres ont besoin de s'arrêter de 3 jours par mois. Mm. Alors, en tout cas, la question, elle est à poser. Quel est l'équilibre de vie de chaque prêtre ? Vous, en tant que vicaire général, vous la posez à vos équipes ? Oui, on parle aussi d'une journée de récupération par semaine. Souvent, c'est le lundi, mais pas systématiquement. Mais oui, on essaye, quand on tourne dans les doyennés, de voir aussi, et quand on organise aussi les plannings d'été, puisqu'on fait aussi venir des prêtres du Burkina pour soutenir chez nous notre diocèse et s'organiser pour que tel ou tel puisse avoir un temps de vacances conséquent. Alors, on voit bien qu'il y a des choses du civil, j'allais dire, qu'on peut transposer dans vos vies. Et d'ailleurs, Chemin d'Humanité, pour accompagner les prêtres et les aider à acquérir des bons réflexes au quotidien, vous avez mis en place plusieurs parcours, dont un parcours vitalité. Vous proposez donc un suivi sur 1 an avec des professionnels du sport, de la santé, des nutritionnistes. Et notre journaliste Juan Diego est parti retrouver ses participants à Clermont-Ferrand. Et on regarde. Cet après-midi-là, c'est séance de bike pour les 12 prêtres du parcours Vitalité. Ce ne sont pas des champions sportifs, et pourtant leur préparation physique et mentale y ressemble. Depuis 1 an, ce petit groupe est suivi par des professionnels pour découvrir comment mener une vie plus saine. Un programme adapté à leur réalité quotidienne, mais aussi à leur envie. Seul moyen pour que ces nouvelles habitudes soient quotidiennes et durables. Le père Stéphane, 47 ans, curé de la paroisse Sainte-Maxime dans le diocèse de Fréjus-Toulon, a choisi de surveiller son poids et de pratiquer une activité physique régulière. Dans les 4 premières années de mon ministère, j'ai pris 3 à 4 kilos par année de ministère. J'ai vu beaucoup d'exemples autour de moi de prêtres qui grossissaient beaucoup et qui ne pouvaient presque plus marcher. Donc je me dis, je suis à un âge où il faut prendre soin de sa santé, quoi. On a touché à plein de choses pour que chacun puisse voir ce qui lui va le mieux. De son côté, le père Benoît, prêtre de Saint-Valery-en-Caux en Seine-Maritime, avait besoin de retrouver du dynamisme. Il se sentait glissé vers un état dépressif. Ici, il a pu mettre en place un équilibre physique et mental dans son quotidien. Il y a eu la période un peu Covid qui a été un peu une difficulté pour moi dans ma vie de prêtre, arrivant dans une nouvelle paroisse, vivant, le fait du confinement complet. J'ai pas pu rencontrer les paroissiens et je me suis laissé un peu vivre, mais il me manquait quelque chose qui me permettait effectivement de pouvoir donner un peu plus de vitalité dans ma vie pastorale et dans mon équilibre. Car bien souvent, on a la parole facile avec des concepts bien faits, mais on a du mal à prendre soin de notre corps. Plus vite et beaucoup plus loin. Mais pour être en bonne santé, le sport ne suffit pas. Pour compléter, les prêtres apprennent donc aussi comment bien se nourrir, à gérer leur sommeil ou encore le stress. L'idée, c'est de leur donner plein de billes pour qu'ils construisent quelque chose et qu'au bout d'un an, ils puissent changer leurs habitudes de vie, comme par exemple prendre les escaliers au lieu de prendre les escalators ou se garer un peu plus loin de leur lieu de travail.
j'ai un trajet à l'église qui est de 11 minutes à pied et que souvent par commodité je fais quasi exclusivement en voiture parce que je le fais 3 à 4 fois par jour. Depuis le parcours Chemin d'Humanité, je le fais au moins une fois par jour à pied justement pour avoir cette marche régulière. Plongés dans un quotidien toujours plus dense, les prêtres, comme beaucoup d'actifs aujourd'hui, ne prennent plus de temps de pause où ils peuvent déconnecter de la course quotidienne. Pour les coachs, un seul remède, le lien avec la nature. Direction donc le Puy-de-Dôme pour une marche scandinave. En fait, je me sens très bien et même là, au bout de 6 km, eh bien, la tête se vide et puis on est avec les autres, on est avec soi-même, on est avec la nature et ça fait beaucoup de bien. Ce parcours vitalité, c'est aussi l'occasion pour ces hommes de vivre des moments fraternels entre prêtres qui vivent des réalités parfois très différentes les uns des autres. Un profond ressourcement qu'ils trouvent aussi dans la prière. Parmi les propositions du parcours, l'Eucharistie est un élément fondamental car elle est considérée comme le cœur de leur vocation sacerdotale. Vivre à la fois la célébration de la liturgie des heures, la célébration de l'Eucharistie, nous permet effectivement à la fois de rendre grâce à Dieu pour la journée que nous avons passée avec ceux et celles qui nous ont accompagnés dans les différentes étapes sportives que nous avons vécues. Il y a comme une transversalité dans notre vie puisque la vie spirituelle est aussi incarnée en nous. Pour les prêtres, tenir dans la durée un rythme de vie intense au service de l'évangélisation demande un fort équilibre personnel. C'est en prenant mieux soin d'eux que nos prêtres prennent soin de nous. Alors, on ne prend pas suffisamment soin de notre corps ? Ah ben, je pense que le reportage rend bien compte de ce que le parcours vitalité, en tout cas, nous propose. Mais je pense en effet, oui, que on a tendance à s'oublier un peu et que de temps en temps, il faut se donner des règles et il faut être. On a besoin un peu d'être coaché, quoi. D'accord. Et alors, il y a l'abbé Michel qui dit « Il est difficile de jongler avec toutes les dimensions de notre vie. Est-il possible que l'Église prenne en charge des parcours avec des médecins ou des entreprises privées faire du sport ensemble ?» Donc, je pense qu'il est plutôt dans quelque chose de quotidien, enfin, en tout cas, de régulier. C'est exactement ce que vous proposez. Alors, c'est ce que nous proposons, mais comme, je dirais, nos prêtres sont saupoudrés sur toute la France, nous les faisons venir au cours de 3 semaines. Là, vous avez vu un reportage qui a lieu à Clermont-Ferrand. C'est la première semaine et la troisième semaine ont lieu à Clermont-Ferrand. La deuxième semaine a lieu à Saint-Jean-de-Luz. Et au cours de cette deuxième semaine, nous ajoutons, je dirais, une partie médicale avec un généraliste, un kiné, un cardiologue, un psychologue pour parler des risques, pour comment reconnaître des symptômes de dépression ou de burn-out. Donc on rajoute cette dimension médicale. Mais je dirais, pour les alerter, pour leur donner un petit peu de théorie et leur donner des signaux pour reconnaître. Un petit peu de théorie, voilà. Mais ils se mettent en mouvement aussi. Alors, on ne fait pas que de la théorie, voilà. On alterne théorie et pratique. Là, vous les avez vus, je dirais, cheminer, randonner à l'extérieur. Vous les avez vus faire du biking. Vous les avez vus faire un petit peu de détente musculaire, de stretching. Voilà, un peu de pilates. L'idée est de leur faire goûter un maximum d'activités pour leur faire découvrir ou redécouvrir pour certains la joie de pratiquer une activité sportive. Forcément, je vous pose la question, puisque père, vous faites ce parcours en ce moment. Oui, en même temps, c'est quelque chose d'assez ludique, et puis il y a une grande bienveillance. On est 21 dans notre promo, on peut dire, allant de 37 à 67 ans, très différentes sensibilités, mais tous motivés finalement par se connaître un petit peu mieux et avancer, et se donner quelques objectifs. Voilà, je crois que c'est quelque chose qui, en tout cas, fonctionne bien. Des objectifs dans la vie quotidienne ?
Oui, mais tout simplement, c'est des tout petits pas. Au début de cette session, il y a une évaluation. Où est-ce qu'on en est? Et ça, je crois que c'est très, très important. Au début, on se dit, à quelle sauce on va être mangé? On est à l'ASM, attention, hein, les gros rugbyman, non, c'est pas ça. Et il y en a qui sont complètement allergiques au sport, qui disent, oh, moi, je ferai jamais du sport. Mais si cela, simplement, arrive à bouger, ne serait-ce qu'un petit peu, et à se mettre en mouvement, eh ben, c'est gagné. Alors, j'ai deux questions. Vous avez découvert quelque chose? Oui, on découvre toujours quelque chose. Moi, d'abord, je ne pensais pas être au niveau où mon pourcentage de l'évaluation a été. Je pensais être un peu plus bas, parce que j'avais besoin d'y aller. J'arrive à 60 ans, j'ai du diabète depuis 13 ans, un peu quelque chose héréditaire. Voilà, j'avais déjà des bons réflexes, mais il fallait en acquérir d'autres. Vous voyez, pardon. Non, je me disais, là, vous êtes une vingtaine, je pense que vous avez l'intention de faire deux parcours par an, avec 10, 15, 20 prêtres. Alors je me dis, il va falloir que vous soyez des porte-parole et à partir de ce que vous avez vécu, et donc que ça soit contagieux. Et puis en nous écoutant les uns les autres, ça me donne des idées, parce que c'est aussi comme ça qu'on réfléchit. Je me dis, mais il y aurait peut-être des propositions moins lourdes que de partir trois fois une semaine, parce que c'est pas rien. Peut-être qu'on a aussi des choses à inventer qui permettent d'entrer dans cette dynamique de façon plus modeste et en même temps aussi efficace. Donc ça me donne des idées, voilà. Super. Alors avant, peut-être que vous réagissiez, je voulais dire que n'hésitez pas à proposer à vos prêtres de vos paroisses, on disait peut-être juste en leur tendant la main, il reste des places et puis il y en aura tous les ans. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez aller sur le site chemin avec un s-humanité.org pour avoir toutes les informations. Et voilà, et il n'est pas trop tard. Allez-y simplement, j'allais dire. Allez-y, inscrivez-vous. Il y a une promo qui démarre en mars. On vous attend. Ce serait alors avec moi, de fait, j'ai écrit à tous les évêques il y a quelques semaines pour les pousser à vivre cette expérience, mais en même temps, je me dis que nos téléspectateurs qui nous regardent, qui nous écoutent, peut-être qu'ils ont des idées, des initiatives qui pourraient être intéressantes et que la Fondation pourrait soutenir financièrement. Donc je fais un appel à tous ceux et celles qui nous regardent pour dire peut-être il y a des initiatives à prendre. Alors, il y a quelque chose qui s'inscrit au bas de l'écran, une adresse internet sur laquelle vous pouvez proposer des idées, etc. C'est un super appel, Monseigneur. Docteur. Moi, ce que j'allais vous proposer, c'est que les paroissiens, au lieu de proposer à leur curé de venir dîner le déjeuner le dimanche, qu'ils leur proposaient d'aller faire une partie de tennis ou d'aller courir dans la forêt régulièrement. Plus sérieusement, est-ce que ces parcours sont une invitation à une activité physique régulière? Et est-ce que vous proposez un programme ad hoc à chacun pour pouvoir continuer à avoir une activité régulière en fonction de son environnement? C'est de façon personnalisée. C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu et c'est aussi pour ça qu'il faut du temps pour arriver à changer ses habitudes. Et donc, nous, ce parcours, il est sur 3 semaines et étalé sur une année pour que le parcours puisse permettre au prêtre, à l'individu, de vraiment se mettre sur un changement long. On veut éviter les bonnes intentions du 1er janvier. Vous savez, vous réveillez le 1er janvier, vous dites « ça y est, cette année, je m'y mets ». Bon, le 3 janvier, en général, vous avez déjà arrêté. Voilà. Donc, on sait qu'il faut un petit peu de temps. Et donc, on démarre par un bilan personnalisé pour trouver avec le prêtre, avec ce prêtre-là et pas son voisin, ce qui lui convient, ce qui va être possible et ce qui va être à sa hauteur, à son niveau. On ne peut pas proposer à un prêtre qui habite une grosse ville d'aller se promener dans la campagne, ça ne va pas. On ne peut pas lui dire « t'aimes ramasser les champignons », ben vas-y, s'il habite en plein Lyon, ça n'a pas de sens. Alors moi, ce que j'entends, c'est que la santé des prêtres, c'est l'affaire de tous, laïque, consacrée. Oui, non, mais absolument. Moi, j'évoquais tout à l'heure, je pense que la conversion, c'est notre propre conversion, comme prêtre, comme évêque, parce que moi, en voyant ça, je me dis, peut-être qu'il faut que je prenne de la graine, bien que j'adore le sport et que j'en fais pas mal. Peut-être qu'il y a aussi une conversion des communautés chrétiennes par rapport
aux soins de leurs pasteurs. Voilà. Tout à l'heure, j'évoquais de la correction fraternelle, c'est une chose, mais peut-être simplement des propositions, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Un repas, pourquoi pas, quand même. Hein. Oui. Bah oui, quand même. Mais en même temps, une autre proposition, une partie de tennis, une balade. Ou même, j'ai appris que le parcours Vitalité existe. Pourquoi vous n'y allez pas, père? Voilà. Oui. Je pense que le prêtre a besoin d'être oser. Encouragé aussi par sa communauté. Encourager à oser d'avoir l'audace de prendre ce temps pour prendre soin de soi, pour pouvoir prendre soin des autres. Et je pense que la communauté doit l'aider à franchir ce pas et avoir cette audace-là de croire que pour prendre soin des autres, il faut qu'il commence par prendre soin de lui. Et que c'est à ce moment-là, ce que vous dites, ça veut dire aider le prêtre, c'est pas une perte de temps. C'est un investissement. Alors que c'est un investissement pour lui, mais aussi pour sa communauté, parce que de fait, il sera mieux dans sa peau, il sera mieux dans son corps, et il sera meilleur avec sa communauté. Alors, il sera plein et beaucoup et plus, voilà, peut-être. Il donnera envie, peut-être aussi. Voilà. Je pense que toutes nos communautés rêvent d'avoir un prêtre qui va bien. Il faut aider nos prêtres à ce qu'ils aillent bien. Alors, on a Paulette, on a plein de réactions. On a Paulette qui nous dit « Quel bonheur de penser à la santé des prêtres. Nous essayons de les gâter au mieux quand nous les invitons à notre table. » Et Christian renchérit « Il est vraiment nécessaire de faire attention à la pastorale de la fourchette et le menu que l'on réserve à nos prêtres quand on les invite. » Et Marie-Odile nous dit « Les prêtres doivent se ménager des temps de loisirs avec des amis de la famille ou seuls, indispensables pour l'équilibre psychologique et physique. » Et moi, j'ai envie de dire « Et la nature ?» Parce que dans le reportage, on voit qu'ils vont marcher en forêt. Ce contact avec la nature qui est prégnant dans la religion, c'est difficile parfois ? Ça dépend un peu des tempéraments. Moi, je sais que je suis très en communion, très proche par ma formation agricole, par un certain nombre de choses. Oui, je crois que c'est quelque chose d'important. Mais à la limite, maintenant que je suis plutôt en ville, j'essaie aussi de quelque part, je bouge plus en ville qu'en campagne. J'ai été curé d'une paroisse de 65 clochers. Je faisais 40 000 km en voiture, j'étais un prêtre sédentaire. Ici, comme d'allant de mon bureau à mon habitation et de mon habitation à mon bureau 4 fois par jour, ben je fais mes 6 km. Voilà. Ouais, c'est... Donc l'importance de la communauté, de la relation que la communauté au sens large du terme a, c'est important pour aussi la santé physique. Ah oui, complètement. Je pense que être bien dans son corps, c'est avoir une altérité qui se tient. Et donc, elle se soigne et on a besoin de l'autre pour la soigner. Et donc, ça se fait pas obligatoirement tout seul. Et voilà, je trouve que, voilà, il faut avoir une bonne relation à l'autre pour avoir une bonne relation à soi. C'est un point qui nous semble très très important, chemin d'humanité, dans le parcours vitalité. On fait très attention aux lieux. Là, vous avez vu la jolie maison du Pignolet qui les accueille, je dirais, à Clermont-Ferrand, à Orsines plus exactement. C'est une maison qui est superbe à l'extérieur comme à l'intérieur. Et la communauté Notre-Dame de Vie qui les accueille, les soigne, elle prend soin de ses participants. Et c'est une maison qui est au pied des volcans, au pied du Puy-de-Dôme. Donc, la nature est belle aussi et cette communauté les accueille vraiment très bien et c'est très important. Et alors, Monseigneur, vous parlez de la table, mais quand on invite notre prêtre à la maison, on lui fait un gros repas avec les honneurs, j'allais dire, mais les honneurs de la table, où on fait quelque chose de tout simple parce que c'est ce dont il a peut-être plus besoin. Je crois que c'est très variable. En même temps, quand on regarde la pédagogie de Jésus, excusez-moi, mais ça se passe beaucoup au cours de repas. Oui, alors, absolument. Je ne connais pas les menus, mais ça se passe beaucoup au cours de repas. Après, on voit bien qu'il est happé par la mission, qu'il repart, qu'il y a beaucoup de mobilité. Dans quelques jours, je vais être en Terre Sainte. Mardi, je serai en Terre Sainte avec, avec mon diocèse. Donc, on va être sur les pas du Christ. Et il y a peut-être aussi une pédagogie à apprendre du Christ. C'est un moment, il repart, il quitte, il est au désert, et puis il est happé par la foule. Et donc ça, voilà, ça fait quand même partie de notre mission. Donc, c'est pour ça que je trouve que la vie en fraternité,
Enfin, moi, j'essaye de pousser à ça. Dans un diocèse comme le Valdois, ce n'est pas très simple parce qu'on n'a pas beaucoup de maisons qui le permettent. Donc, c'est, on a des conditions matérielles qui sont pas faciles. Mais le fait de pouvoir vivre en fraternité ou avoir en tout cas une équipe de vie ou avoir une équipe avec laquelle, c'est le cas pour le Prado, moi, j'ai aussi une petite équipe d'évêques. On est heureux de se retrouver de façon très, 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 très simple, amicale et de réfléchir ensemble. J'insiste beaucoup pour qu'il y ait ces lieux parce que c'est aussi des lieux d'amitié, et à ce moment-là, on peut se dire des choses quand il y a de l'amitié et qu'il y a de la confiance. Et donc, voilà, je pense que ça, c'est quelque chose de très, très important. Voilà. Oui, c'est la parole du Christ, venez à l'écart, reposez-vous un peu. Et puis, nous, on a aussi une belle initiative de notre évêque depuis 4-5 ans déjà, en janvier, on fait ça en janvier parce que pastoralement c'est un peu plus calme, mais 3 jours où voilà, on va à la découverte d'une région avec son patrimoine culinaire, mais aussi culturel, artistique, et puis c'est un temps de prière fraternelle comme on a vu aussi dans nos sessions, l'Eucharistie, la prière, c'est ce qui nous fait vivre, donc on va pas arrêter ce moteur, mais en même temps on va aussi insister sur les autres temps qu'on vit trop peu souvent, parfois la semaine sainte, la messe chrismale, hein, où les prêtres sont autour de leur évêque. Et là, c'est vraiment un temps, une belle initiative. Alors, ben, on va dans le diocèse de La Rochelle et on va découvrir un petit peu les bords de mer. On va sur Bordeaux et on va découvrir une belle cave. On va sur la Dordogne et on découvre aussi l'art de vivre. Qu'est-ce que ça révèle, toutes ces préoccupations qu'on a aujourd'hui dans vos vies? Je ne saurais pas trop répondre à la question. Ça révèle qu'on est des hommes, ouais. Hein, d'abord. Hein, je repense à ce que vous disiez. Voilà, faut pas oublier, le prêtre est d'abord un homme avec toute sa sensibilité, avec ses choses, ce qu'il a en lui, son attention, ses pulsions, tout ce qui fait sa vie d'homme. Et peut-être qu'aujourd'hui, la corporéité, l'un de notre session là, disait ça, ben, pour une fois, on prend le corps comme quelque chose de positif. Voilà. Hein, retrouver, être bien dans son corps. Voilà. C'est important. Nous sommes la religion de l'incarnation. Voilà. Donc, être bien dans son corps, ça ne devrait pas être négociable. Ça devrait être... acquis. Alors, bien sûr, on peut avoir des difficultés, des maladies, des contraintes, mais nous avons une zone de liberté qu'il convient d'utiliser pour tout ce qui est prévention, pour accompagner des maladies longues, le type de diabète. On sait très bien que dans le cas du diabète, dans le cas de l'hypertension, l'activité physique aide. Elle ne fait pas tout, mais elle aide. Voilà. Il faut jouer sur cette zone de liberté, c'est même probablement notre responsabilité. Alors là, je me tourne vers vous, homme d'église, mais je pense que ça fait partie de notre responsabilité, y compris de catholique. Et prendre soin, c'est aussi être attentif, en tout cas pour un évêque, mais pour un vicaire général qui participe à la mission de l'évêque, c'est la même chose, et aussi aux conditions d'habitation. Je vois que la fondation du clergé aide pour faire une salle de bain qui soit correcte. Enfin, il y a aussi les conditions de vie dans les presbytères, ça fait partie aussi du soin. Et c'est pour ça que je suis fier de présider cette fondation, parce que je pense qu'on participe aussi à une vie où on prend soin des prêtres dans toutes leurs dimensions. Alors il y a de fait, il y a le corps, mais il y a aussi l'environnement, et ça, ça a aussi de l'importance. Et d'ailleurs, on dit aujourd'hui que dans notre société, on est influencé par une culture du résultat, de la performance. Comment on peut marier ça, parce que vous vivez dans cette même société, est-ce que c'est antinomique? Comment on fait pour vivre avec ce... C'est vrai qu'on est quand même, il y a des modèles, hein, enfin, il suffit dans les médias, ça, enfin, des modèles de... On évoquait dans les enquêtes qui ont été faites de la CHSA, le prêtre sur un piédestal, mais indépendamment de ça, c'est vrai qu'on a une image de quelqu'un qui est solide, qui a pas de faille, etc. Mais c'est aussi dans la fragilité que se manifeste l'Évangile, c'est aussi dans la fragilité que peut se vivre une relation. Et ça, je crois aussi que ça... En fait,
il est question d'une spiritualité. Alors, une spiritualité du corps, mais aussi une spiritualité, vous avez évoqué l'altérité, une spiritualité de la relation. Enfin, c'est un ensemble, c'est une alchimie qui est toujours à... Enfin, c'est pas simple comme équilibre, on a toujours à le reprendre, enfin, il me semble. Enfin, je parle pour les prêtres de mon diocèse, je parle pour moi, c'est toujours à ajuster. Quoi. Alors, on arrive au terme de cette émission, on va bientôt rentrer en carême. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que chacun, enfin, on pourrait porter, une résolution qu'on pourrait prendre chacun pour ce thème de la santé, du bien-être des prêtres, docteur ? Moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot équilibre. Le deuxième mot, c'est... vous parliez de l'incarnation, et je crois qu'il faut absolument travailler cette théologie de l'incarnation. Nous sommes la seule religion à la porter. Je crois qu'il y a quelque chose à travailler, très sérieusement. Père. Moi, j'évoquerais plutôt la joie. Le carême, ça ne doit pas être quelque chose de triste. Et faire des efforts, ça ne doit pas être quelque chose de triste non plus. Hein. Bon, on peut voir saint Paul qui s'entraîne pour remporter la course. Il y a un peu quelque chose aussi de la compétition. Alors, le carême n'est pas une compétition. Mais voilà, que ce carême puisse... qu'on puisse vivre dans la joie et puis que l'objectif, finalement, d'être bien dans son corps, y compris à travers le jeûne, parce que le jeûne peut tout à fait aussi aider de temps en temps, s'il est bien contrôlé, à être bien dans son corps. Voilà, donc que chacun profite de ce temps pour... C'est un retour à l'essentiel. Caroline ? Moi, je dirais qu'en ce temps de carême, dans ce moment où notre pays réfléchit beaucoup au sujet de la retraite, je pense qu'on pourrait essayer de cheminer pour prendre soin de notre corps dans notre religion, pour que notre corps nous porte le plus longtemps possible. Ça serait finalement un bon plan d'intéressement, vous voyez, ou un PER de retraite, une espèce de prévention, on investirait pour plus tard. Je pense que ça serait un bon chemin. Ouais. Monseigneur. Ah, oui. Je pense beaucoup aux catéchumènes. Dans mon diocèse, les catéchumènes adultes, il y a 150 qui vont recevoir le baptême, et je lis leurs lettres actuellement, et je vois leur quête de sens, quête pour aller à l'essentiel, et je trouve que le temps de carême est un temps... pour eux, c'est le dernier sprint avant les sacrements d'initiation chrétienne dans la nuit de Pâques, mais c'est aussi un temps d'expérience de l'essentiel et radical. Et de fait, l'expérience du manque, si elle est bien vécue, cette expérience, elle nous oblige à ne pas rester à la surface, mais d'aller au cœur de ce qui est la foi chrétienne. Et de le vivre ensemble, ça, c'est aussi c'est très important. Donc, je ne sais pas si ce sont les derniers mots. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire à tous nos téléspectateurs, c'est, aidez-nous à, financièrement, par la prière, par vos initiatives, à prendre soin des prêtres. Et peut-être que ce temps de carême, c'est peut-être aussi une résolution pour en prendre particulièrement soin. Prenez soin de chacun des prêtres, comme les prêtres essayent de prendre soin aussi de vous. De nous. Voilà. Alors, merci à tous. Je rappelle le site internet avec toutes les informations pour les dons, les projets. On parlera du parcours, mais on parle vraiment de tout ce que fait la Fondation. www.fondationduclergé.com. Aussi, pour s'inscrire et pour comprendre ces chemins, www.chemin-humanité.org. Merci à tous pour vos témoignages, pour votre participation. Merci à l'équipe mobilisée en régie, à la rédaction de KTO et bien sûr à vous téléspectateurs, et vous pouvez bien entendu revoir cette émission sur kteotv.com. Excellente soirée à tous.